Let me begin by saying how delighted UNDP is to be part of this initiative, which is becoming so very important at this time in Egypt in terms of supporting the poor and very talented artisans in the country. This is a project which directly impacts a segment of the society, the artisans, who require at this point special attention. This program is also addressing a very critical issue, which is turning the informal sector into a formal sector, working with artisans and workshops and encouraging them through this kind of development and support to turn into the formal business is really a very important thing at this point in Egypt. Connecting artisans who are poor but with extremely good skills and talents to international markets, this has been a very important factor. But there has also been issues of quality, issues of standardization, issues of access to markets. These have been some of the critical challenges that the handicraft sector is facing in this country. I'm actually from UNDP, and I'm here hosting the broker of this project. The main idea for IMC is to bring designers to produce new designs and to show or present these new designs in international or local exhibitions. We have been supported by Sylvie because of her connection with the French school and for her network and to provide us with the marketing strategy for this site. We had the chance to have four young graduated from this international school of design of Paris called École Nationale des Arts Décoratifs, who have been selected grateful to the help and the support of the director of the school, Madame Geneviève Gallo, and Patrick Renaud, who is the head of the section of object design in Paris, who immediately supported this idea of course, bringing together traditional know-how from another country and French, and this French expertise. Yes, it played a really big role in the fact that we implemented the project and it was completely fitting with the result we wanted to reach. To break out from the actual production and to emphasize at the same time traditional know-how and design. UNDP IMC asked me to work on two main sectors, which are copper work and Chayameya. Chayameya, it's a kind of patchwork initially coming from tent making, and copper work is known in Egypt from a long period, even pharaonic to Islamic period, to be the traditional really know-how, because the material is part of the country, of the land. Donc c'est trois pièces, trois objets un peu mystérieux vu de l'extérieur. ما ثلاث يعني ثلاث قطع من برا تحس ان هم غامضين ما تحس ان هم ما فهمش اي حاجه يعني ساده جدا c'est l'intérieur qui est travaillé soit repoussé comme ça soit martelé mais d'une couleur contrastée avec l'extérieur. Alors la lampe c'est une double coque, c'est une coque extérieure qui sera lisse, polie, finition cuivre noir comme ils savent faire. Mais ça c'est pas une forme qu'il a déjà. C'est pas une forme. Et l'intérieur, la subtilité, c'est que l'intérieur sera travaillé, martelé, en cuivre brut, un cuivre rouge. De tous les côtés. D'ici, on regarde en bas, donc on voit la partie intérieure. The concept, as you said, it's all the even the lamp and this bowl, they are participating to this concept of mystery.
مش هتخدمنا انا بس هتخدمني وهتخدم القطاع بتاعي كله لان في اكتر من حد بيشتغل معايا واكتر من ورشة بتشتغل ورايا وشغل Et donc là, je suis en train de faire les petites modifications sur une forme qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'on ne peut pas faire une forme fidèle à ce que nous, on a dessiné. Ça sera pour plus tard, pour la suite des événements. Mais pour le prototype, on fait un peu de bricolage et ça marche très bien. Voilà. To communities of artisans are still preserved in the old Cairo, in a place called Hussein and El Gamaleya, where you can see people working on metals. The other is Khayameya, another place in the old Islamic Cairo, where they have been more or less recently reinstalled and gathered. Really entered in this community. We came inside the workshop. Handcraft is always in the mind of Egyptian society. So it's like a kind of facade. But when you start to work and exchange and really have a real collaboration with artisans, you discover really the way they work. J'ai observé que pour faire des grandes pièces de Khayameya, ça prenait beaucoup de temps et c'était vendu très cher. Et le gros problème, c'est que ça restait quelque chose de décoratif. Moi, j'ai essayé de transformer cet outil, ce savoir-faire, qui reste un savoir-faire décoratif, en un savoir-faire fonctionnel. Voilà. Donc j'ai essayé de dessiner une gamme de mobilier qui intégrait le Khayameya. Ça me cherchait مبدعة بتقدر تفكر في فكرة وتبقى بعيدة عن الخيال وما بنيجي بننفذ بنلاقي ان هي النتيجة بتاعتها مختلفة خالص عن ما احنا كنا مفكرين. En fait, l'idée c'est qu'il y a trois parts, il va y avoir trois screens, voilà, en noir sur noir. Et pour le moment, l'idée c'est qu'ils viennent redessiner les arbres qui font avec les oiseaux, les arbres de vie comme ça. انا امل ان دي الحاجه دي تنجح وتنجح كويس قوي المشروع ككل منتهى الجمال هو جميل في افكاره وجميل ان احنا ننفذ فكره جديده فكره في التصميم وفكره في ان انا ازاي انا اطلع منتج او افكر في منتج جديد ان المنتج اللي انا بعمله ما جاش قبل كده وما خلاش على حد قبل كده ان هو احنا نعمل خيامية على برغام فهو كمنتج جديد جدا كفكره ان انا اشتغل على بلون على نفس اللون بس في اتجاه في قلم القماش ده برضه فكره جديده. UNDP and IUC launch a call for proposal in the prolongation of projects that they have implemented previously and mainly before the revolution because it's mainly of course the economical consequences of the current situation in Egypt. Which makes this project more relevant and more urgent to be implemented and highlight really more aspects of the real situation of the artisan community. C'est une photo d'un barrage, voilà. Et l'idée, ça a été de transposer de manière assez schématique, mais aussi de manière très formelle, cette idée de barrage en immobilier. Attends, le fabricant de matelas qui réalise des pièces qu'on lui a commandées. Là, on est venu lui apporter le tissu. Donc, il y a 14 mètres de tissu, ça fait près de 10 kilos.
C'est un gros canapé, un gros sofa. L'idée c'est d'avoir, des énormes coussins qui font 1 mètre par 50 cm. L'idée c'est d'arriver à travailler sur des densités de modules. Que chaque module ait une densité différente pour apporter un confort optimal. C'est un mec qui fait des matelas et qui a apparemment qui a un bon savoir-faire. Et il travaille que avec du coton brut. Et apparemment il n'a pas énormément. Donc là on est là pour essayer de faire un projet assez local. Voilà, voilà. For the project itself has a first part of workshop, and this was divided in three phases itself, which of course overlapped many times because this is the really way of experimenting and conceiving new and innovative products. So it was first a phase of immersion. These four young men never came to Egypt, but they very quickly apprehended and understood and catch with their eye, with their emotion, with their education, with their background, and with their new insight, the life in Cairo. Et donc les idées, elles sont venues au départ surtout des tissus, quand on a visité le marché du tissu, où en fait j'ai pensé qu'on simplement avec un bon choix de tissu, on peut totalement détourner la technique du Hayameya pour faire des nouvelles sensations. In fact, I think it's just a game to break the rules about Hayameya, which is very, very pure and very, very old school. حاسس ان ليو هو اكتر واحد فهمنا. يعني عمل ميكس ما بين الشغل بتاعنا وما بين الشغل اللي ليه؟ ان هو فهم احنا بنعمل ايه وفهم متطلبات السوق بتاعه ايه. C'est un procédé de rayure où en fait on arrive à voir le pattern uniquement par l'orientation des lignes. I think it can be very funny to say okay, what we can do when we play with old school things. Donc we can just, it's just like a game. Actually, he choose three designs from our work to make it in another way. So this is the main design, or the masterpiece, as you see, and this is the copy. So, and also it's important to say that there are two specific know-how still well preserved in a way in Cairo. So we are in the city, we are in the tradition, and we are also in the contemporary time where those know-how are still existing, but are in a way completely separated from the reality of the world. Ah oui, je voudrais travailler avec un motif de barbelé que j'ai récupéré sur Place Paris. Mm-hmm. Est-ce qu'il connaît ça? Vous voulez le faire à l'échelle? Oui. À l'échelle? Oui. Je vais vous montrer le tahir. Vous voulez le faire Je trouve ça assez beau et assez graphique. Le but du projet, c'est d'exprimer ma sensation sur la place Tahrir ou dans la ville. Les objets expriment la sensation que j'ai eue au niveau de la tension et de la contradiction entre la matière, le métal, le verre, le barbelé, qui est quelque chose de violent et qui vient encercler le verre. Donc c'est quelque chose, je voudrais qu'à travers ces objets, on ressente ma sensation
de quelque chose de fragile et qu'il manque un tout petit truc pour que pouf, ça explose quoi. D'accord. Non, mais après le verre, tu veux qu'il aille jusqu'où à l'intérieur? Il va se gonfler, je vais voir comment il gonfle. Ah, et ce qui serait bien, c'est de venir juste en haut. Bah, je pense justement, typiquement, si tu peux avoir différentes tailles de goulots différents pour voir comment ça se passe au niveau de. S'il y avait un petit bourrelet de verre ici, ça serait quand même pas mal. Ici, c'est open. Mais. Non, le mec, il gonfle comme un gonfle, mais il est barre, mais je suis un gros le zoré. Il y a une haie. Il y a une ازاز حتى لو الكبيره دي هتخش على عكس الكتل دي هتبقى قد كده ها des ateliers eux-mêmes où on travaille le cuivre, bah ouais, on voit bien qu'on est on est plutôt à la fin de quelque chose qu'au début de quelque chose de nouveau. On est plutôt dans la survie post-ère touristique que dans une vraie nouvelle ère d'innovation que nous on est en train d'essayer on plante des graines, voilà. From this experimentation, we want in the same time to monitor what we can really bring to artisans and how we can really detect their needs in order for them to be more aware of the richness of their know-how, of how to use it and how to perfect themselves even in the finishing and in the design. Knowing what they miss, where they should improve, and what they lack to make of this know-how, to transform this know-how in a real interesting product which could be really of high value. Salut, Nathanaël, 26 ans, je suis en Ardèche. Avec Emma. Bonjour, je suis Emma. On a travaillé sur un système de modules qui s'assemblent et qui permettent de composer le motif. بالنسبة للتصميم اللي عامله هناك هو عامل من حاجة بسيطة زي كده قطعة بسيطة زي كده بنلفها وبنشتغلها بطريقة معينة بتطلع حاجات أشكال تانية خالص بفكرة بسيطة يعني حاجات زي كده إن يبقى تعمل شكل من الناحيتين فدي فكرة برضو avec le contraste intérieur lisse extérieur pas lisse. So with this system you can build surface or volume. Le premier, c'est un rideau qui joue sur les transparences et la façon dont le système génère par transparence un nouveau motif. Ça, c'est pour un tapis, parce que regarde, il y a une. Il y a comme un textile 3D, quoi. Ça fait, avec un matériau c'est assez doux. Et par le système, il y a une mollesse. غير اني نات يعني معظم الناس اللي كانت جايه شغاله في الموضوع ده ان كان نات سام معظم الموجودين سيلفي كلهم ناس كويسين جدا سهلوا علينا كمان ان احنا نستوعب الفكره وناخدها بصدر رحم ونحاول ان احنا ننفذها بافضل ما يكون وحابين برضو الفكره برضو الثانيه ان هم حابين يسمعوا مننا الافكار مش وحابين يسمعوا وعايزين يعرفوا ايه يعني يحس ان حاجه يطوروا منها برضو هي بادي فيري ويل Because she understands
that this was the process which was important and not the result. Donc, un rideau, un tapis et un petit vide-poche et, qui est posé sur un petit napperon. Et ce napperon, il raconte vraiment le Hayameya parce qu'on voit que c'est un assemblage de petits bouts de tissu qu'on ne pourrait pas faire autrement qu'à la main. بالنسبة لموضوع الأفكار الجديدة هل هي فعلا بمثابة شيء كويس ولا لا فعلا بجد حد زي لو في ناس كتير زي نات بتبتكر في شغل الخيامية بنفس الطريقة دي بجد هنطلع بحاجة جميلة جدا وحاجة تكون رائعة بالنسبة لدي احنا واحنا اول ما اشتغلنا فكنا بنقص دي بالمقص دلوقتي بنعمل مساحة كبيرة او قطع كبيرة من الاشكال زي كده فكرنا ان احنا نعمل اسطمبه على الرسمه اللي احنا عايزينها كده بحيث تسهل معانا في التقطيع ان احنا مجرد ما نعمل كده بنقطع عدد كبير من الاشكال دي عشان تساعد معانا في الوقت But this is good to also for us to make tools for the artisans. That's also what I made for Senza, the wood tools. And I think giving tools is also important. Obvious that we have to bring more than this idea to bring together international designers with local artisans. This present initiative should be more considered as a pilot initiative, as a model for the future. So when we are talking of this project, we are talking of sustainability, but sustainability at all levels. We are talking of the future, of the tradition, but not only, of the preservation of know-how. Of course, UNDP, IMC have a main concern to open them to new markets because the current situation deprives Egypt of the number of tourists. This whole situation obliged us really to completely break the codes and go further. My second project is talking about hooks, of those hooks. I work with Senza. And the idea is to make a fruit cup, silver jewelry aspect, but this is a recycling, a piece they don't use for that normally. There are two tools to make the good process. The first one is to shape the hook. Okay. Ça, c'est un grand moule. Il coupe cette partie ici. Quand tout est recouvert, il doit tous les couper à la même taille. Et une fois qu'il a cette partie, il vient la mettre ici. Il les dispose tous autour ici de façon régulière. Voilà. Et après, ici, il vient souder ici. Ensuite, il retourne. Il va faire les soudures. Et après, il ponce. C'est-à-dire que lui, il a. Au niveau du Hameya, questionner le process, alors que moi j'ai essayé de trouver un compromis entre une production locale et un contexte, une actualité. Ça donne du sens d'essayer de raconter une histoire, l'histoire de on vient ici pour re-questionner une production locale.
ce sont des objets qui vont être exportés, donc c'est des objets qui vont devoir raconter une histoire sur d'où ça provient. Enfin, voilà. Les détails sont assez grands pour lui ou pas? Ça va être plus grand que ça. Ça va être plus grand? Oui. Mais ça veut dire que lui, il peut utiliser ça pour piquer et faire la trame avec ça. Parce que moi j'aimerais bien que ce soit de ça. هو طبعا موضوع جيد وهتبقى برضه لان الثوره المصريه يعني كثير من الناس يعني معجبين بيها وفرحانين بيها فهتبقى جذابه يعني النمنمه دي هتيجي ازاي وفي نمنمه كذا نمنمه مثلا اهي كمان هو يعني بسيط قوي في تصميماته والتصميم رغم ان هو على قد يعني صغر حجمه الا انه برضه في بساطه وبتعرف تنفذه بسهولة يعني أنا حاسس طبعا بإذن الله تعالى هيكون ليه صدى كبير جدا جدا إذا اتحط في معرض جيد في أوروبا تصميم ذات نفسه دي تعمل خيامية تحسه كرسي كاملة تبقى حاجة جديدة وحاجة كويسة إنما التصميم pour apporter un poids comme les constructions qu'on voit dans la rue avec un clos en béton. The idea is I like it, but constructions like this is very difficult to transport. Transport, yeah. Okay. Second thing, the palm nerve is very very risky because it rots. Then comes the part of shipping. So you have to think about how can you do this. This is sample. So here you will have some construction. Yeah. J'ai trouvé assez intéressant d'exploiter la palme, qui est un matériau très local. Encore une fois, comme dans le canapé, ça c'est fait en Égypte, c'est que du local made. Channels, not only marketing channels, but new way of designing by providing them in the future a range of design services in order to understand the importance not only of design as styling, but design as a succession of phases to bring objects which are at the same time useful, usable, and desirable. Ça a été fait à coups de genou, que ça, sur mon truc. Donc ça, c'est une expérimentation qui a fini par faire une coupelle et je pense qu'on peut en faire d'autres. Après avoir réfléchi un peu depuis 2 semaines qu'on est au Caire, mon projet, c'est de jouer avec des motifs comme ça. Ça, c'est les motifs que j'ai photographiés au Caire avec des dessins du musée. Et ça, c'est les motifs qu'on a fait ici. Et ça, c'est les variations qu'on peut faire. L'objectif de notre travail, c'est de développer ensemble ce savoir-faire-là, de travailler la matière uniquement en comme on travaille le papier comme ça. C'est ça l'objectif. Il faut que quand on voit l'objet, on comprenne que ça a été fait comme ça, avec ce procédé de force. C'est ça qui est beau.
c'est un travail qui est plus vivant, plus moins mécanique, c'est plus vivant. Plus artistique, à chaque fois les formes sont différentes. Ensuite, j'ai réfléchi aussi à partir de ça à faire un objet qui soit une lampe, mais qui est une autre typologie que les lampes qu'on voit, qui sont des formes en boule, qu'on voit partout au Caire, mais plutôt une lampe verticale, plutôt destinée à des espaces qui peuvent être petits ou alors très hauts. Donc en appliquant une découpe de motifs à la matière, on peut faire un cylindre et déformer ce cylindre pour obtenir une forme beaucoup plus libre que simplement une boule parfaite ou simplement une forme extrêmement rigide et parfaite. Celle-ci est plutôt sensible. C'est gros ça pour un pendentif ? Ce sont des bancs qui n'ont pas été pris, un peu gros. Du coup... Ok, il est où ? J'ai été intéressé pour mélanger les finitions cuivre et les finitions argent et de jouer comme ça avec deux parois, le fond et la coque qui est sur le dessus, pour qu'en fait à travers la résille, les trous du bijou, on puisse avoir un reflet qui soit particulier. Donc ça, c'est... L'objet est à l'intérieur, mais il dépasse pour qu'on apparaisse à l'extérieur une partie de cet objet qu'on va sortir. C'est pas possible d'avoir tout de suite le développement d'un objet comme ça. Il m'a fallu une semaine pour arriver à comprendre ce que j'allais faire avec ça, comment j'allais... Donc, observation numéro 1. La bougie doit être le plus bas possible. Non, la taille du dessin, ça peut être un peu plus gros, mais c'est la taille exacte, c'est très bien. Et après, ça, c'est la boule. Bon courage. Experimentation. Conceptual phases are really important to conceive design objects. And the third project is a project I'm working with Sam and with Naguib, which we are really proud because he made a very good job. And the idea of this project is to use Hayameya, but in a comfortable way, not in just decorative way. L'idée c'était d'essayer justement de trouver un contraste entre un matériau brut et une construction très basique et avec le Hayameya qu'on a essayé de réfléchir comme un matériau. Ça c'est fait pour tester ce que ça peut donner le capitonnage sur une grosse épaisseur. Qu'est-ce qui peut valoriser le Hayameya et qui ne pourrait pas être fait industriellement par une densité Hayameya. Yes.
Peut-être on peut mieux le vendre si c'est irrégulier que si c'est trop régulier. Ouais. Parce que l'irrégularité, ça peut être fait que à la main. The human dimension is very important. We faced a lot of passionate stories who really slowly but not easily succeeded in opening new perspectives in the way they could use their know-how, based all on process or human experiences, emotions, perceptions, because they brought a lot of their talent and way of thinking and rethinking and innovating and not duplicating, but reinventing. J'essaie de trouver un pas pour faire un dessin. On va essayer d'arriver à avoir une courbe qui soit comme une dune. C'est-à-dire que c'est pas une sphère, mais c'est plutôt une dune, donc il y a une progression, il y a un S. C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est un tissu dans lequel on insère des losanges. Et forcément, ça dilate la matière. Donc si jamais elle est, la matière elle est fermée autour, en insérant des losanges, ça fait une... ça fait bomber. وصلوا المنتج ده مشكلته اللي هو مش يعني في شيء من الهندسه او يعتبر شيء لان هو معتمد على مقاسات وهي معتمد على مضيقات égal 45 plus un tiers égal 60 un tiers de 45 c'est 15 60 de 60 à 80 il y a plus 20. Donc plus un tiers de 60. Un tiers, un demi, un tiers, un tiers. J'en fais plus un quart. L'awad bi'atamid al tahdir l'awad. L'ana khlas b'abda l'ana ahadar l'shugl l'awad. Abli l'ana m'abda l'ana j'tagal fi. B'abda a'amil l'istambat b'ta'at kulli rasma. B'abda l'ana ahadar fiha. بحيث اللي هي تبدا بلاي تايتنج. لازم هنا التصميم كله يتقابل مع بعضه ويدي الابعاد متساوى. لو في ملي او سنتي او جزء بسيط اختلف باظ التصميم. لا هو الفتره اللي هو ياخد معانا التصميم ونتداول فيه انا وهو ونشوف ايه الفكر الصح وايه الشغل الصح اللي ممكن يتعمل احسن ما يجي يديني تصميمه وخلاص. I believe that there is a tremendous potential for this project to impact not only on the copper and aluminum sectors but beyond that, replication into other sectors, whether it's glass, whether it's pottery, whether it's handloom. There's a multiplier effect that is happening and this is something that will be scaled up in. We brought out a really beautiful collection of objects, all innovative. We decided to create a label to gather all this collection and the future ones. This new model, this new way of awareness, of innovation, of services that we can bring to the artisan.